Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 4, on va jouer avec Ada. Donc c'est parti, on va faire le troisième chapitre les gars. Donc moi je vous laisse avec la cinématique. Et puis bah je vous dis à tout de suite. Allez c'est parti. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him, ASAP. Understood. And that U.S. government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Leon. Ouais, donc du coup, c'est parti, les gars. On va se faire ce chapitre. Voilà, donc nickel. Hop, voilà. Nickel. Bon, du coup, hop, on récupère. Putain, me casse les couilles, lui. Bon, bah, on va acheter une mallette alors. Bah oui, quand c'est au moins, si on achète une mallette, on aura plus de place, tout simplement. Donc, c'est parti, on achète la mallette L, les gars. La mallette L, voilà. Donc, tout ce qui est ça, bon, on n'achète pas. Donc, on récupère les carreaux. Ce qu'on va faire, du coup, vu qu'on n'achète pas l'arbalète, on va les vendre. Voilà, ça nous fera un peu de sous-sous. En espérant qu'on les vende cher. Voilà, donc 2500 lin quand même, ça fait beaucoup. Et puis voilà, donc hop. Non, bah non. Je suis con, moi. Non, j'allais vendre mes vies, quoi. Non, mais tu vends pas tes vies. C'est complètement con, hein. À part si t'es sûr de pas mourir. Donc, du coup, est-ce que j'ai de la vie jaune, moi? Non, j'ai pas de vie jaune. J'ai pas de vie jaune, mais alors pas du tout. Bon, en attendant. Oula, bah, il y a masse d'ennemis, là. Non, mais par contre, on va faire attention. L'autre, là, avec sa truc qui lance, là. Voilà, nickel. Boum. Alors, vous faites quoi maintenant? Par contre, il y en a un qui me tire dessus là de je sais pas où. Et du coup, c'est un peu chiant en fait. Parce que je sais pas où il est le mec. Tu vois le délire? Et casse-toi! Bim! Alors, qu'est-ce que tu vas faire, gros? En espérant que l'autre me tire pas dessus. Bon, ça par contre, c'est chiant. Hein, tu penses bien. Donc, est-ce que j'ai pas. Ah, oh, je sais pas, hein. Ça donne envie. Ouais, sinon j'ai que de la merde. Bah allez, on est des thugs. Nous on est comme ça, tu vois. Ferme ta gueule, mon gars. C'est une hallucinance, hein. Ah, regardez, hop là, on le défonce. Oh, regardez, on le défonce. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire, gros? Putain, mais l'autre qui nous... Oh là 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 là. Mais c'est hallucinant, ça. Bon, on va prendre ça, c'est pas très grave. On va prendre le pistolet pour niquer l'autre. Eh bien, on se fait défoncer. Oh là là! Putain, le mec à la fléchette, quoi, là, là, il va nous saouler. Faut réussir à le défoncer, là. Ta gueule. Ouais, papa, mais attends, gros, mais... Eh, mais oh, c'est pas possible, là, arrêtez, là. Il y a tout le monde qui balance des trucs, qui fait des machins et tout, là. Et ça commence mal, déjà, là, tu vois.
plus, j'ai jamais de vie jaune là, c'est de la merde. Oh ta gueule toi. Hop là, cache-toi. Dis, ça va commencer à être chiant ça, dis donc, s'ils commencent à tous avoir des flèches. De... Oh mais arrête, tes conneries. C'est pas possible. Encore quoi. Putain, comme si on n'avait pas assez de ces connasses. Je rigolais. J'ai pas envie de mourir, moi. Moi, j'ai pas envie de mourir, ok hein. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Monsieur l'agent a dit que... Ah bah voilà, c'est nickel. Bon, là, faut pas se rater, les gars. Ah, mais one shot. Ah, mais non, j'ai cru que ça le one shotait, dis donc. Je dis, oh là, bah attends, je me fais chier à tirer deux coups pour rien, dis donc. Bon, en attendant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller défoncer. Le problème, c'est que je sais pas qui c'est qu'il y a. Et où est-ce qu'il y a, bien entendu. Bon. Ouais, franchement, je sais pas où aller, là. Je pense qu'on va farfouiller un peu. Attends. Putain, j'ai cru voir une plante et tout, tu sais. Je vais farfouiller un peu de partout, parce que le mode dada, j'ai pas vraiment beaucoup fait. Ça n'existait pas avant sur GameCube, hein. Malheureusement, sinon j'aurais torché aussi. bon, en attendant. Hop. Mais t'es complètement malade. Oh. Espèce de grand malade, va, mais... Attends, moi je me balade et tout, je me balade tranquillou. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, qui me croche du feu dessus comme ça, tu sais. Ah non, mais je vais pas te voir, toi. Fais gaffe. Mais en fait, je dois faire quoi ici, là? Non, mais clairement. Ouais. Attends, j'ai vu quelque chose, hein. Putain, j'ai vu quelqu'un à lâche. Enfin, à la faux, là. Putain, hey, ils sont chiants. Ils sont vraiment chiants. Oh, une plante jaune. Oh, une... Non, mais non. C'est dégueulasse. Le mec qui tombe, quoi. Putain, il pourrait pas se mettre à genoux, j'en sais rien. Et voilà. Moi, je suis dans la merde. Bon, attendez. Vous savez quoi? Nous, on est des thugs. On se barre. Oh, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la chance. Bon, du coup, on va combiner ça et on va l'utiliser. Là, par contre, je vous assure que... Bim! Oui. Ta gueule. Oh, la chance. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Attention, moi, je suis un thugman, moi. Fais gaffe. Moi, je suis un fou, moi, dans ma tête. Boum. Allez, qu'est-ce que tu vas faire, saloperie? T'as vu ça un peu? Non mais moi je suis comme ça, moi, tu vois. Moi je me fais pas chier, moi. C'est vrai que pourquoi je me fais chier à être tué au pistolet alors que je peux être tué au couteau. Boum, qu'est-ce que tu vas faire, gros? Allez, technique de ouf, mon gars. Ouais, mais attends, il va rien faire. Imbattable, je suis imbattable, mon petit. Bon, en attendant, ça fait plaisir parce qu'on a trouvé une plante jaune. Et ah voilà, forcément, une plante jaune, ça fait plaisir, quoi. Le mec qui me dit, ouais, mais non, une plante jaune, ça fait pas plaisir, j'aurais préféré avoir une plante verte. Non, mais c'est qui est con, le mec, tu vois. Bon, alors, juste comme ça. Ouais, ok, on a une plante rouge, ouais. Il est là. Allez, viens là. Viens là, mon petit. Bon, toi, par contre, je vais pas m'amuser à te faire au couteau, comme j'ai fait l'autre, là, que je vais péter la tête. Hop là! Tu sais, en gros, je vais pas essayer de l'esquiver, de le faire au couteau, tu vois, pour le mettre à genoux, tu vois. Trop de risques. Ok. Bon, bah voilà, max de thunes et tout, max de vie, max de... On est OP. Ça fait plaisir. Franchement, on commence bien. Enfin, ouais, on a mal commencé, on va dire, mais on commence bien quand même. On a mal commencé, mais on s'est rattrapé, voilà. En attendant, je sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse. Je peux te dire que là, je suis un peu paumé. Hein. Je vais aller là. Je vais voir s'il n'y a pas 2-3 objets, voire même des bijoux, pourquoi pas. Hein. On sait jamais, des fois, des petits bijoux. Ah, attention. Ah, des carreaux, quoi. Je m'en fous un peu. Le problème, c'est qu'après, il va y avoir... Je vais le faire au fusil à pompe, hein, de toute façon. Hein.
Je sais pas, parce qu'après il y a Crozer à battre. Dans le quatrième chapitre, je crois. Ou même peut-être le cinquième. Non, c'est le quatrième, c'est le quatrième. Quatrième chapitre, Crozer à battre. Je sais pas comment je vais faire. En espérant que dans celui-là, il n'y ait pas beaucoup de choses à faire. Donc apparemment, il faut passer par là. Voilà. Donc celui-là. Je pense bien que je le fais de loin. Hop, là, c'est parti. Non mais ouais, t'as vu, je suis un ouf, moi. J'y vais au son et tout. Ah putain, mais il est au fond, quoi. Mais non, je m'en fous de ça. Boum. Comme je t'ai esquive, mon petit. Je vais esquive sa fléchette à la con, là. Ça fait plaisir. Bon, en attendant, ça fait pas plaisir, je suis dans la merde. Hop. On se permet de récupérer un petit peu ça. Et on se casse. Oh putain. Ouais, viens là, toi. Moi, je te défonce la gueule. Boum. Mais non, attends. Putain. Allez, mais... Oh, mais j'ai fait de la merde, dis donc. Viens là, toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Tu vas rien faire, ma petite. Bon, attendant. Oh putain. Voilà. Un peu dans la merde. On récupère ça. Toi, tu fermes ta gueule. Boum. Salut. Comment tu vas? Pas trop envie de me fighter avec toi, mais bon. Ah, ça va, il est mort. C'est bon, ça. Il est mort assez rapidement et ça fait plaisir. C'est bon, je rigolais, gros. Quand je disais que t'étais moche, voilà, c'était pas... T'es pas obligé non plus de te mettre un masque en or sur la tête, quoi. Hein? C'était une blague, voyons. Non, ça, on peut pas. Ok, nickel. Donc, du coup, si on va là, est-ce qu'on va au bon endroit? Ouais, je pense que non. Mais bon, on va y aller quand même. Parce que nous, on est comme ça, tu vois. On aime bien perdre notre temps à faire n'importe quoi. En attendant, je trouve qu'au niveau pognon, on s'enrichit bien. Non, c'est un truc de fou. Oh, putain, je t'avais pas vu, toi. Enfin... Je pensais pas que t'allais être là, quoi. Alors toi, hop, je te défonce. Merci. Toi, bah, je te défonce aussi. Hein, qu'est-ce que je te dis? Toi, je te parle. Bah ouais, il faut bien que je te parle un jour ou l'autre, non? En attendant, t'as pas un truc à me... Je sais pas, moi. Petit truc à la con, truc de merde. Non, rien du tout. Bon, bah on va acheter ça. Hein, qu'est-ce que je fais? Faut bien qu'on achète quelque chose, hein, au bout d'un moment. Hein. Ça, je m'en fous, hein. Tout ça, ouais. Ah bah ça, tu vois, par exemple, je m'en fous. L'herbe verte, je m'en fous. L'herbe rouge, je m'en fous. Mélange, je m'en fous. Ça, on s'en fout. Ok, donc bracelet, on vend. Voilà, nickel. Franchement, on se fait un max de pognon et ça fait plaisir. Alors, juste, on va regarder au niveau des trésors si on n'a pas loupé quelque chose. Et on a effectivement loupé quelque chose. Bon, bah, qu'est-ce que je te lise, hein. Je suis, voilà, c'est, je suis un peu con, hein. hop, on va juste récupérer tout ce qu'il y a là, et puis je pense qu'on va aller récupérer aussi le bijou qu'on a oublié. Donc je sais pas ce que ça va être, mais bon, peut-être un masque, ou alors juste un spinel ou un truc dans le genre. Ok, donc voilà, donc là c'était juste une petite salle bonus, voilà. Donc on revient en arrière et on va aller là où je pense avant de continuer l'histoire. Voilà, ça prend pas longtemps, ça prend du genre 2 minutes. Bon, on va pas pleurer non plus, hein. Genre le mec. Ah, mais putain, tu me fais chier, j'ai perdu 2 minutes. Ouais, c'est bon, c'est que 2 minutes, gros. Bon, du coup. Ok, d'accord. Un parfum, quoi. Bon, bah, si t'as envie. Allez, voilà, ça c'est fait. On a eu le parfum. Donc maintenant qu'on a eu le parfum, on va ouvrir la porte. Et puis on va... Je sais même pas ce qu'on va faire, les gars. Ah ouais, non mais... je suis en mode flou total, quoi. À la limite, tu mets sur l'histoire principale, mais je le sais, mais... Pff, tranquillou. Ou presque. Oh non, s'il vous plaît, non. Tu vois, je me disais... Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a... Et putain, il y a... Et on est au fusil à pompe, les gars. Oh, c'est la merde. Oh là là là, je fais comment, moi? Je fais... Attends. Déjà... Non, mais attends, toi. C'est bon. Oh là 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 là. Quoi que je vais peut-être pouvoir le faire au pistolet si... Allez. Mais t'es con. En espérant qu'il soit... Ah merde, mais c'est ouvert. Bon, c'est pas très grave.
T'es quoi, toi? Ah, ça va. Est-ce qu'il est toujours aussi con? Yes! Non? Si? Yes. Génial. Ah, par contre, l'autre, il est... Oh là là. L'autre, il vient là, c'est... Ah ouais, du coup, lui, il a... Thug life, le mec, hein. Bam! Il défonce tout, tu sais. Bon, en attendant... Ah ouais, bah en attendant, ça me déco. Oh putain, nickel. Juste un petit problème. On va lui défoncer la gueule, parce que... Le mec, il gueule et tout, parce qu'il se fait cuter, l'autre, il s'en fout, t'sais. Oh merde, oh, putain, j'ai failli me faire opérer. Merde. Putain, j'ai eu chaud. Putain, merde. Non, mais moi, tu vois, je suis comme ça, moi. Je prends des risques et tout, tu vois. Moi, je suis comme ça, mon pays. Bon, par contre, là, le risque, il est tellement grand que je suis dans la merde. Merde. J'ai pas osé prendre trop de risques. Parce que là, c'est pas qu'ils me prennent en sandwich, du coup. Yes. Tiens, que tu vas faire maintenant? Hein? Espèce d'enculé. Ouais. Par contre, je sais pas où il est, l'autre. Ça me fait un peu peur. C'est bon. Il est con. Il est parti je sais pas où, là. Ça fait plaisir. Bon. En attendant, j'ai quand même récupéré mes sous, quand même. Hein. C'est quand même les miens. Hein. Oh putain, mais non, mais je rigolais, gros. Voilà, calme-toi. Allez, je t'ai défoncé. Tiens, en passant, là. Hop là, ferme ta gueule. Je sais pas, j'avais envie, tu vois, j'étais comme ça. Je me suis dit, tiens, si on le défonçait, le mec. Attends, juste. Merde. Le problème, c'est que lui... Le problème, c'est que lui, il est... Boum. On peut pas lui foutre un coup de ch'tard dans la gueule. Oh putain, et calme-toi, c'est bon. Je rigolais, gros. Mais non, mais attends. Oh, mais c'est un thug, ce mec. Allez. Yeah. Oh putain. Vas-y, tu me casses les couilles, gros. Merde. Vite, cours. Oh putain. Oh, mais le mec est déjà là, quoi. Oh là là. C'est même plus un thug, ça. D'accord, le mec, il allait se coincer là-bas. Vite, 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 vite. Oh, les gars, non, mais je suis en mode super concentré et tout, tu sais. J'ai pas envie de crever. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Il y a toujours un connard pour venir te faire chier, là. Oh, j'ai réussi quand même à pas me faire niquer par ce connard. Boum. Hop là, elle est en prime, je l'ai. Oh putain, elle est en prime, j'esquive. Ça fait plaisir. Oh, mais regarde-moi ça un peu. Je joue comme un professionnel, les gars. Applaudissez-moi, s'il vous plaît. Oh putain. Regardez, regardez, regardez. Non, mais pourquoi il me prend par devant? Mais t'es sérieux, quoi? Pourquoi elle se retourne, cette bouffonne, là? Putain, c'était pas prévu, ça. Bon, ça, par contre, si, c'est pas prévu, ça. Ça, c'est pas prévu, aussi. Vas-y. Thug life. Calme-toi. Pas trop non plus, hein. Thug life, mais à faible dose, s'il vous plaît. Ouais, parce que, bon, on n'est pas non plus des tarés. On n'a pas trop envie de mourir. Bon. Je sais pas comment on va faire là, je vous le dis. Parce que cette bête là, c'est chiant. Parce qu'on peut pas vraiment la niquer de près. Oh putain. Et le problème, c'est qu'elle lance des trucs de loin. Donc ouais, c'est vraiment...
sais pas quoi faire, les gars, là. Attendez, on va essayer quand même de... de le faire venir ici. Et casse-toi. Oh là là, on est des... on est des ouf. On est des ouf. Oh, mais regardez-moi ça, comme on est des ouf. Bon. Pas trop non plus, mais bon. Ah ouais, franchement, c'est chaud patate, les gars. Viens ici, viens ici. Viens ici, je te défends. Voilà, si t'as envie. Oh oh. Non, c'est bon? Putain, on est trop bon, quoi. Voilà! Ça, c'est ce que j'appelle du talent. Ouais, bah, que t'es dans le vent aussi, c'est du talent, mais... à faible dose, quoi. Putain, et l'autre, il nous casse toujours autant les couilles, hein. Mais c'est un truc de fou. Eh, je sais pas comment on va faire, les gars, là, mais... il est chiant, quoi. Putain. Viens ici. Ah ouais, non, mais il me saoule, le gars, là. D'accord. Putain, mais il était mort, quoi. Putain, je peux pas le tuer. Bon. Bon, 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 bon. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de... oh, je suis... mais non, mais je suis trop bon. Mais je suis trop bon, les gars. Non, pas chier. Putain. Eh, hey, les gars, franchement. Je peux vous dire que c'est chaud patate. Parce que j'essaie de faire au maximum au couteau, hein, voilà. Donc forcément, ça implique des choix difficiles. Ah, donc là-dedans, on doit mettre... voilà, ce truc. On doit mettre ce truc là-dedans. Tout simplement. Donc si possible, si tu pouvais venir... je sais même pas comment je vais faire. Ah bah nickel, si tu tournes ton dos. Oh, il m'a même pas entendu, ce bouffon. Nickel, mais on est thug, nous, on est thug. Vas-y, viens là, je te défonce. Viens là, je te défonce. Bon, peut-être pas trop non plus, mais... oh putain, arrête tes conneries. Voilà, mais il est malade, lui, là, mais... et le mec, il fait pas semblant. Le mec, concours olympique, le mec, hein. Le mec, il sait ce qu'il veut, quoi. Le mec, dès qu'il a une cible, il y va, hein. Ouais, là, par contre. Voilà, la cible, c'est moi, en l'occurrence, donc vaut mieux que je me casse. Et franchement, petit à petit, les gars, vous allez voir, on va y arriver. Là, il reste encore quelques coups, je pense, avec tout ce qu'on lui a mis. D'ici pas longtemps, nickel. Allez, viens ici. Bien sûr, je vais te prendre pour un débile et je vais en profiter. Putain, j'ai dit, je vais te prendre pour un débile, pas tuer débile. Si tu pouvais revenir à la charge, comme d'habitude, ça serait génial. Oh, espèce de bouffon, va. Oh. C'est bon? Il a vraiment pas envie de venir, les gars. C'est hallucinant, franchement. Le mec, c'est un thug, quoi. Le mec, il sait ce que je veux faire, tu vois, donc forcément. Et non, mais vas-y, tu me saoules, là. Non, mais ça commence à être chiant, quoi. Ça commence vraiment à être chiant. Si tu pouvais. Pourquoi pas? Voilà. Là, t'as tout compris à la vie, mon petit. Bon, en attendant, on va vite se barrer. Parce que sinon, on est dans la merde. Allez, viens là, mon gars. Viens là, que je te défonce. Oui! On l'a défoncé! On l'a défoncé! En attendant, on récupère les balles. Ah non, les arbalètes. Enfin, les... enfin, tu m'as compris. On peut pas aller là. Ah ouais, donc moi, je fais comment, du coup? Donc, c'est-à-dire que je suis obligé d'aller là-bas. Merde. Hop, je suis obligé d'aller là-bas. Putain, mais comment je fais? Ah si, ouais, je dois aller là-bas, quoi. Ah ouais, d'accord, mais oui, je dois aller... ah ouais, putain, mais sérieux, quoi. Oh là 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 là. Non, mais je sais où je dois aller, les gars. Je sais où je dois aller.
Ah là là. Eh oui, pourquoi je m'en suis pas souvenu, bordel de merde. Bon. Je sens que ça va être long, ce chapitre. Déjà, c'est déjà assez long avec l'autre, là. Avec le mec qu'on vient de tuer à l'instant, là. Mais ça va, on a toujours pas utilisé le fusil à pompe, quoi. Hein. Enfin, vite fait, quoi. On l'a utilisé pour le délire. Mais sinon, on l'a toujours pas utilisé, quoi. Vas-y, viens. Pim! Qu'est-ce que tu vas faire, gros? Toujours aussi con, hein. Ah, j'adore. Continue comme ça, tu fais du bon travail. Ah putain, continue ta connerie, elle est franchement magnifique. Ah merde, je croyais qu'il était mort, je sais pas, j'avais entendu un bruit ou j'en sais rien. T'sais. J'avais entendu un comme ça ou je sais pas quoi là. Voilà, j'avais entendu ça quoi, moi, enfin. Je pensais qu'il était mort le mec. Putain, dommage, du coup j'ai perdu de la vie pour rien. Oh, oh, oh. Sois pas un thug. Respecte-moi. Oh! Mais non! Mais c'est quoi ce jeu fait à la va-vite là? Tu tires dessus, le mec, ça le traverse quoi, s'il te plaît! Putain! Voilà, ça fait plaisir, ça, bidou bidou. Bon, toi, je vais te faire comme tout à l'heure. Comme ça. Bon, là, je t'ai pas vraiment bien eu. Mais ça va. Mais t'es où? Reviens. Mais reviens. Voilà, ça, c'est bon. En attendant, on va récupérer ça. On va attendre que lui, il vienne. Bon, je pense qu'on a compris, hein. Attends, hop, salut. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bim. Est-ce que je peux te taper? Non, je peux pas te taper parce que ce jeu, c'est de la merde. Bim. Est-ce que je peux te taper? Non, je peux pas te taper parce que, encore une fois, ce jeu, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi je peux pas le taper, le mec. C'est trop chelou. En attendant, moi, je vais le continuer comme ça, hein, bah ouais. On va pas se faire chier bien longtemps, les gars. Oh, merde. Oh, là, j'ai violenté, là. Ta gueule. Bon, en espérant que ça le tue un jour, quand même, parce que sinon, ça sert à rien. Je pense bien. Allez, monsieur, allez. Putain, mais dis-oh. Tu vas mourir, toi, un jour, ou bien ça se passe comment? Et tu vois, on peut pas le taper, je sais pas pourquoi. Merde. Tiens, ta gueule, et là on peut te taper là, hein. Espèce d'enfoiré. Voilà, moi je suis comme ça, moi, mon petit. Bon, en attendant, on va essayer de le défoncer. Boum. Et de faire pareil pour l'autre connard. Hop, on fait ça. Bon, par contre là c'est pas drôle. Oui, je m'en fous. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Putain, mais genre, il me touche, quoi. Ça me saoule quand il me touche au dernier moment. Et comment il... Il a même pas de flèche, le mec, sur son truc, quoi. Oh, mais c'est pas possible. Bon, on recharge, mademoiselle. Et on monte là-haut, s'il vous plaît. Là, si tu pouvais monter... Là, voilà, merci. Bon, du coup, maintenant, on récupère, du coup, ce qu'on doit récupérer, hein. Hop, toi je t'avais pas vu toi. Ta gueule. Oh, qu'est-ce que tu fais là toi? Mais dis donc, c'est pas une heure. Enfin, tu dois dormir normalement là, c'est une heure tardive, voyons donc. Bon, on récupère la plante jaune, ça fait plaisir, bah voilà, bah c'est nickel, c'est tout ce qu'on demande nous. Une plante jaune, dis donc. C'est tout ce qu'on demande, mais ouais, voilà, donc on récupère le sablier au décor doré, voilà. Bien sûr, je savais avant de voir le truc, hein. Attends. Non, je rigole, bien entendu. Ce n'est pas vrai. Alors, elle n'arrive pas à l'ouvrir, mais Ashley arrive à l'ouvrir. Comment ça, je ne sais pas. Ta gueule, toi. Casse-toi. Voilà, bon. J'ai dit voilà, bon. Merci. Je peux te défoncer si... Voilà, merci. Bon, ce qu'on va faire, on va reprendre de la vie.
si possible avec de la vie jaune. Voilà, ça, c'est un nouveau... ça va nous redonner un petit peu de... un petit peu de cran de vie. Ce qui peut être plutôt sympa. Ok, il n'y a personne. Il n'y a personne ici aussi. Bon, bah on est plutôt bien, je trouve. Voilà, donc du coup, maintenant, on va aller placer ce sablier. Et on pourra, du coup, continuer notre... notre aventure, tout simplement. Hein, voilà, donc c'est parti. Hop. Voilà, on va mettre ça là. Voilà. La 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 la. On va peut-être vendre 2-3 trucs quand même qui nous encombrent un petit peu au niveau de la place. Hein. Bon, en fait, il y a juste un truc en particulier. Donc, vendre ça, non, non. Hein, voilà, donc on va vendre ça. Et puis, je crois qu'il y a 2-3 autres trucs aussi. Il y aura un rubis, pourquoi pas. Et un parfum. Nickel. Imagine, on pourrait vendre le sablier et tout. Putain. Après, on serait dans la merde et tout. Enfin bon, assez plaisanté. Ah, Jim. Mais tu vas pas me saouler, voyons donc. Allez hop, voilà. Parce que j'arrive au bout de mes piles, hein, donc forcément. J'ai la flemme d'échanger, tu vois le truc. voilà, donc là, on va mettre notre petit machin doré. Voilà, on va l'utiliser. Merci beaucoup. Vous avez inséré sablier. On s'en fout. C'est bon, il se passe rien. On sait jamais. C'est des fois, imagine, il y a 10 000 zombies qui arrivent et tout. Tu sais, oh putain. Tu te fais yesh et tout. Wow, wow, calme-toi. Regarde. Ouais, donc comme j'allais dire, regarde 2. Voilà, le 2, hein, il faut bien le dire, le 2. Sinon, on comprend rien. Parce que regarde, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Bon, en attendant. donc, voilà, donc si je descends... Ah, mais non, c'est pas ici. C'est pas... Oh, putain, calme-toi, quoi. Non, tape, tape, voilà, tape. Attends, attends, je rêve ou j'ai... Non, je crois que je rêve pas, hein. Putain, j'ai pas de... Oh là là, j'ai pas. Bon, bah, on sacrifie une grenade. Salut. Ouais, franchement, je me sentais pas. Je suis désolé, mais je le sentais pas du tout. Allez, hop. J'aurais une grenade inflammable, ça aurait été pas mal. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y en a un à gauche. Ah non, c'est bon, nickel. En attendant... On regarde en bas s'il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne, mais c'est nickel. Voilà, donc du coup, on peut naviguer tranquillou. Oh, bah une plante, ça fait plaisir. On peut pas récupérer ça, là, non? Putain, dommage. Ok, donc on récupère ça. Hop, voilà. Jusque-là, tout va bien. Toi, est-ce que je peux... Bah non, bah, qu'est-ce que je dis, moi? Je dis de la merde, dis donc. Alors, juste comme ça. Au niveau de... comment ça s'appelle? Au niveau d'ici là, voilà. Donc si on vient ici, ça fait si Léon me voyait maintenant, il faudra. Bon, on s'en fout quoi. Donc on va pas le tuer maintenant, hein, malheureusement. J'aurais bien voulu, ça aurait été marrant. Mais bon, qu'est-ce que je te dise, c'est comme ça. Donc du coup, on va. Oh. Ah ouais, j'ai bien fait de reculer parce que merde. Vu le mastodonte que c'est. Eh mais vas-y, mais il y en a partout de ces putains de boucliers là. Ah, ils sont chiants, hein. Oh là 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 là. Viens là, je fais comme l'autre, mon gars. Je te défonce. Putain, pourquoi je peux pas les taper à chaque fois là? Merde, du coup. Tiens, t'as le démon. Allez, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Sans bouclier, t'es rien, mon gars. Ouais, bah moi, si je te cut pas aussi, je suis rien. Oui, c'est bon. Oui. Oh, en plus, t'es mort. Oh, mais ça fait plaisir. Et franchement, les gars. Voilà, on a pas mal de balles de pistolet, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup. Mais en attendant, les balles de fusil à pompe, on les consomme pas du tout. Et franchement, vu tout ce qu'on a, je pense qu'on peut se faire plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire, gros? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Voilà, tu vas rien faire, t'es tellement con, tu vas rien faire, mon gars. T'as le démon. Mais non. Genre quoi, putain. Genre t'as eu le temps de me toucher et tout, quoi. Bon, attendant, faut que je reprenne de la vie, moi. Parce que sinon, je vais être dans la merde. Je vais reprendre de la vie. On va reprendre ça, tiens. Hop là. Alors, juste comme ça.
Voilà. Ferme ta gueule, merci. Ah ouais, parce que j'ai pas envie de me faire niquer, moi. En attendant. Voilà. Et puis, hop, hop là. Quoi, t'es pas mort? T'es sérieux, là? Putain, et le deux coups de couteau, il est pas mort, quoi. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. J'ai dû mal viser, j'en sais rien. Bon, en attendant, toi. Ah, une grenade aveuglante. Ah ouais, moi, je pensais que c'était un bijou et tout, tu sais. Genre une grenade aveuglante, quoi. Putain, dis. Hallucinant, ça. Bon, hop, on vient ici. Qu'est-ce qui va se passer, ici? Ah bah, rien du tout. Voilà, non mais bon, pourquoi pas. En attendant, voilà, on peut pas. Là, ouais. Là, je parie qu'on peut pas, hein, ça me paraît logique. Ouais. En attendant, ici. Ah bah voilà. Ah bah voilà, bah voilà. Nickel, donc là, il y a Léon qui arrive et tout. Léon, I got it. I have the sample. You serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! Lewis! Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. Hmm. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak. Take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. What the fuck déjà? Oh bah dis, bon bah ok. Et bah voilà, fin de chapitre les gars. Je m'y attendais pas. Donc prochain chapitre, on va être sur l'île, normalement. Je crois bien. Hein. Je crois bien qu'on est sur l'île et qu'on qu'on bat Crozer. Normalement on bat Crozer. Ou alors sinon c'est dans le dernier chapitre qu'on bat Crozer et le boss final. Ah c'est peut-être possible du coup. Ouais, ça doit être ça. Enfin, je sais plus, franchement, je sais plus, les gars. Voilà, donc du coup, en attendant, on a fini le chapitre. Le dernier chapitre. Donc, voilà. Enfin, non, qu'est-ce que j'ai de la merde, moi. His skills and personality have been tested both on and off the battlefield. If he weren't the best, he would become a liability that would jeopardize the rest of us. My conclusion? He's a great soldier. No more, no less. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. If he does start to get restless, I can take care of him. I've studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary. Krauser answers directly to Wesker, and it was Wesker who decided that Krauser should be sent to spy on the cult. He also decided to send me along. I wonder if it wasn't to keep an eye on Krauser. No doubt, Krauser has already fallen to the temptation of Las Plagas and the power they represent.
This could have dire consequences for the organization. On some level, however, this may be a necessary development, as his role is to disrupt this farce of a play. That said, the stage and its players will ultimately come crashing down in the end. Bad luck for him. But he'll play the patsy in the end and take the fall for all of us. That's why I need to make sure things keep going exactly as they are. Et ben voilà, ça fait plaisir. Bon, donc du coup on a fini le rapport numéro 3, donc le chapitre 3. Ouais, donc on n'a pas fini le dernier chapitre, j'ai dit de la merde, hein. Fini le troisième chapitre. Donc du coup on se retrouvera une prochaine fois pour le quatrième chapitre. Donc juste avant on va sauvegarder un petit coup quand même, parce qu'on n'est pas con, hein. Voilà, voilà. Donc on sauvegarde un petit coup, attention ça donne quoi? Nickel. Voilà, donc du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà. Donc prochaine fois ça sera le chapitre 4, tout simplement. Donc voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, pourquoi pas la prochaine fois sur Resident Evil 4, merde, qu'est-ce que je fais, pourquoi pas la prochaine fois sur Resident Evil 4, et puis voilà, allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao tout le monde, ciao, putain, allez, ciao tout le monde, ciao, non, mais c'est chiant, tu vois, c'est chiant, enfin bon, allez, bonne continuation les gars.